Hello tout le monde, c'est Siwobo et on se retrouve pour la suite de Tomodachi Life. Donc voilà, écoutez, on va aller à la fontaine du coup, on va récupérer les dons. 217 euros, oh nice. Ça c'est bien. Par contre, j'ai vu. Oh, j'ai vu un cœur. Luigi. Oh, attendez. Luigi avec un petit cœur. Quel temps fait-il aujourd'hui dans votre monde? Ah, c'est pas pour lui. Ok. Je pense que Toadette même. Qu'en dites-vous? Je pense aussi. Vraiment, je suis curieux d'en savoir plus. Ok. Je suis curieux aussi. Ah, parce que s'ils doivent être ensemble, ça va être insane. Hein. Non, attendez. Je vais donner une raquette de tennis. Voilà. Let's go. Magnifique. Ok. On va lui donner à manger, évidemment. Bon, allez, vous savez quoi? On va lui donner du bœuf. D'ailleurs, je crois que c'était la dernière fois. Ouais, la dernière fois. Il y a. Je sais plus quel mi, bah, je crois que c'était Limas d'ailleurs, qui avait fait, qui avait organisé entre guillemets une sortie entre Mario et Harmony, pour voir s'ils pouvaient sortir ensemble. Et en fait, Mario et Harmony, ils sortent ensemble en fait au final. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Vous savez quoi? Ok, ah oh, ils sont les deux devant la télé. Ok, cool. Ils sont en train de regarder un match de foot là. Ils sont en train de regarder un match. Goal, 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 goal. Eh, franchement, avoir regardé les matchs en couple, ça doit être incroyable. Attention, gros yeux. Voilà. What? Je me suis disputé avec James. Je suis vraiment en colère. Ah, elle va t'excuser. Aidez-moi d'abord à me calmer un peu. D'accord, ça va, c'est rien. Allez, mourue à la portugaise. Let's go. C'est bon, ça va passer. Ma colère okay. Peut retomber. Je vais essayer d'aller me réconcilier avec lui. Ah, son troisième plat préféré en plus. Ok. D'accord. Mais ouais, j'aimerais savoir si... Là, dans un cas comme ça, est-ce que... C'est possible qu'ils se réconcilient pas. Qu'ils restent énervés. Qu'ils restent énervés l'un l'autre. Penses-tu que tes excuses vont suffire à te faire pardonner? J'ai ma réponse. Ok. Ok, bon. D'accord. Ça s'est pas très bien passé. Ouais. Ça n'a pas marché. Ouais. Non, mais sérieux, ça lui met de la tristesse? Sérieux? Mais ça y est, mais tu t'en fous, c'est juste un ami. C'est pas non plus. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Genre, c'est pas grave, y'a plus grave. Pff, sérieux là. Allez, poulet frit, vous savez quoi? Allez. Mais sérieux, c'est pas grave. Trouver ça correct. Ah ouais, mais pas beaucoup, hein. Allez, vous savez quoi? On va lui donner un set de bain. Elle va aller prendre un bain, vous savez quoi? Ça fait du bien de prendre un bain. Je vais prendre un bain. Oui. Non, mais par contre, vraiment, les mi qui ont le... Je me sens pauvre comme un sonneur. Quand ils chantent, ils ont tous la même voix. Vraiment, c'est abusé. Vous savez quoi? On va lui donner un nouveau... des nouveaux vêtements. Ok, on va lui donner ça. On va essayer. Pour voir. Ça va. Et puis en chapeau, elle a... Je sais pas ce qu'elle a là, mais... Ok, non. On va pas lui donner ça. Ouais. Style showbiz. Ça me fait rire ça. Non, bah, non, mais écoutez. Allez, vous savez quoi, boîte à musique. Un truc un peu rapide quand même.
Allez. Mais on s'en fout. C'est bon, je m'en fous. Quelle douce mélodie. Oui. Eh, c'est bon. On dirait un écureuil. Je vais beaucoup mieux. Pourquoi elle lève les manches? Enfin, elle lève les bras, on dirait un écureuil, vraiment. Mais bon, écoutez. Tenez, pour vous remercier. Mais du coup, elle est toujours fâchée contre James ou pas? J'en ai vraiment aucune idée. Mais ok. Chez James et Limas. D'accord, ils sont en train de dormir. Ok. Allez, vous savez qu'on va faire un tour. Bonbon à la menthe. D'accord. Ça coûte pas cher du tout, ça. Brocoli. Ok. Let's go. Nouilles instantanées. Ah, je sais plus qui c'est qui m'a demandé des nouilles à un moment. Quelqu'un qui m'a demandé des nouilles, mais j'en avais pas. Du coup, je lui ai donné des spaghettis. Parce que les nouilles, c'est des pâtes. Donc, écoutez, voilà. Ok, casquette en cuir, chapeau à plumes, chapeau d'enfant. D'accord, ok. Il y a que des... Ouais, c'est que des nouvelles couleurs, ok. Why not? Et puis niveau vêtements, costume de super-héros, ok. Rockabilly. Ok, oui, ils auraient pu appeler ça robe coccinelle, hein, mais bon. T-shirt avec un cactus et tunique rayée, d'accord. Ok, bon voilà, ça aurait été rapide, hein, le tour, honnêtement. Style plage tropicale, oh, style bureau. Ok, oh, ça on va l'acheter, ouais. Style cabane, ok, ouais, allez. Style tout doux. Plage tropicale, ça coûte cher quand même, hein, 900... Ça fait cher. Mais écoutez, ok. D'ailleurs, attendez, je vais regarder un truc. Alors déjà, ouais, je vais profiter que Momi ne dorme pas. Et attendez, en fait, je vais juste prendre la manette. En fait, je vais vous montrer un truc. Regardez. En fait, là... On peut... Attendez. Voilà. On peut... voir en fait les relations qu'a chaque Mi. Donc, je voulais voir pour mon Mi. Salutable bonheur mitigé. Comment ça, bonheur mitigé? Meilleur ami, Timothée, pas très fiable. Bon. Un tel là super sympa. Enfin, très sympa. Ok. Entente impossible. Mais what? Mais mon Mi s'entend avec personne. What? Mais mon Mi ne s'entend avec personne, c'est abusé. Je vais lui donner des courgettes, j'ai envie de voir s'il aime. J'espère pas. Correct, bon. Ça va. C'est pas non plus... ouais. D'accord, ok. Je vais aller voir Saluta maintenant. Je vais aller voir Saluta. Donc, qui est... l'épouse de mon Mi. Bonsoir. Ami en conflit. Ah, James, plutôt 5 points, plein d'interrogations. Ok. Ok, Thibobo, grand bonheur. Ah, ok. Bon, ça va. Meilleur ami, Wario, irremplaçable. Ouais, bon, faut se détendre peut-être un peu quand même. Mais, ok, avec moi pour elle, c'est le grand bonheur. Donc, ça va. Ça va, je suis content. Et j'ai envie de voir... Attendez, Toadette. Juste après, on va aller voir les autres soucis. Toadette par rapport à Luigi. Meilleur ami Bernard BG, pas très fiable. Luigi, vraiment sympa. Bon. Parce que Luigi est un peu amoureux d'elle. Hein. C'est toujours un plaisir de vous voir. Choisis de qui vous voulez. C'est gentil, merci. Ça me fait plaisir aussi. Bon, par contre, ça me fait super plaisir de jouer à ce jeu qui est totalement incroyable. Ok. Attendez, je pose juste ma manette. Voilà, c'est bon. Puis on va lui donner une boisson. Allez, eau du robinet. Eau du robinet, comme d'hab, hein, personne n'aime. C'est abusé. Là, tout à l'heure, j'ai donné à Luigi, il a pas aimé. Ok, correct. Eau du robinet. Le maximum, ça a été à trouver ça correct. Hein. C'est vraiment le maximum que j'ai eu pour ça. Hein. Mais bon. Allez, on va aller voir Josh. Aujourd'hui, je pense pas qu'on rajoutera de Mi. Quoique, je sais pas. En vrai, je sais pas. J'ai envie de manger italien. Italien, ok. Attendez. Alors, attendez. Mmh.
Ouais. C'est dans quoi nouilles instantanées là? C'est ici non? What? Pardon, attendez. Et ah oui voilà. Ah fromage italien. Ah oui ok voilà. Voilà voilà. C'est un truc comme ça. C'est ça que je cherchais. Ok, je voulais lui donner des nouilles aussi, mais. Il a trouvé ça très bon, bah super. Et puis il est déjà niveau 3. Let's go. Et bois naturel, vous savez quoi? Pour référencer un peu le chalet dans Until Dawn. Voilà. Voulez-vous jeter un œil à mon... Non, c'est bon. J'en prendrai bien soin. Super. Et puis, allez, on va lui redonner un truc et du bœuf. Comme ça, ça complétera. Très clairement. Nice. Super, donnez-moi de l'argent. J'adore l'argent. Allez, on va aller voir Mike. Il y a 3 Mike hein, dans mon immeuble. Hein. Je suis Mike. Je suis quelqu'un de très sérieux. Ouais, ça doit être ça. Même si c'était dangereux. Partiriez-vous à l'aventure pour obtenir une grosse somme d'argent? Pas si c'est risqué, jamais ou sans hésiter. Sans hésiter, allez. Vous êtes un aventurier. Non, surtout j'aime l'argent. C'est surtout ça. Bon, ok. Allez, hop. On va lui donner ça. Ok, correct. T'es sérieux, Mike? Mais ouais, du coup, il y a le Mike. Bah, Michael de GTA 5. Il y a le Mike de Until Dawn et Mike de Stranger Things. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Et... Allez, let's go. Ok, elle a trouvé ça correct. Ça l'a fait level up, c'est nice. Écoutez. Qu'est-ce que je peux lui donner? Vous savez quoi? Ouais, une guitare. Détecteur de métaux, je pourrais donner ça à qui? Non mais sérieusement. Un détecteur de métaux, je pourrais donner ça à qui? C'est une vraie question, hein, là... J'en ai genre aucune idée, quoi. Ah oui, ah non, mais je... Ah mince, je vais donner un plat entier. Ouais, ouais, pardon. On lui donne du jus de pomme, c'est bon. Let's go. Elle a trouvé ça très bon. Oh. Let's go. Vas-y, tout sauf la lutte. Puis je peux pas quitter en plus. Non mais ça j'aime pas. Autant là je déglingue ma souris, autant si c'était sur une vraie 3DS, je serais en train de déglinguer l'écran. Je suis en train de me faire allumer là, non? Oui. Et on a renversé la situation. C'est cool. Ok, oh, vase précieux. Ça, ça va valoir de l'argent. Ça vaut de l'argent. Ça, j'en avais déjà eu en plus. Ok, James, il dort. Elle, elle dort. Ah, mon Mi aussi, il dort. D'accord, très beau dans cet appartement. C'est quoi? On va aller voir le rêve qu'il est en train de faire. Oui, je suis en train aussi de tourner la nuit. Enfin, il est 23h passé là. What? Ah. Ok. Oh, c'était un rêve. Oui, ben. Bon. Bidon de peinture. D'accord, ok. On trouve souvent... On peut trouver beaucoup de trésors pendant les rêves, hein, je remarque. Donc, ouais. Ok. Ça, c'est de style. Un peigne, d'accord. Mais ouais, ouais.
On peut trouver beaucoup de trésors pendant les rêves. En fait, quand tu regardes un rêve, ça te fait gagner un trésor à chaque fois. Donc en fait, c'est bien de venir pendant qu'ils dorment, les Mi. Ok, Emily, on va regarder, on va aller voir tous ceux qui dorment là, juste pour regarder les rêves un peu. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça c'est... C'est parti tellement vite, je vous jure. J'ai quoi, un chapeau? Chapeau de paille. Oh ouais, mais j'en ai déjà. Ok, Todd. De quoi rêve-t-il? On va aller voir. C'est bon. On l'a déjà vu plein de fois celui-là. Bon. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on le voit. Et... Le Toad, il avait pas déjà fait ce rêve-là? Si, je crois. Hein. La dernière fois, déjà, il dormait. Je voulais aller voir, mais... Oui, oui, c'est la deuxième fois. Oui, c'est ça. D'accord. Bon. Eh ben, d'accord. Ok, Odd, il fait un rêve aussi, là. Il est en train de rêver. C'est trop bien de pouvoir voir les rêves. D'accord, il est en train de marcher. Oh, ça me donne le tournis. Les rêves, ils sont trop bizarres. What? C'est un porte-clé squelette? Qu'est-ce que c'était? C'est abusé, je vous jure. Porte-clé squelette, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Nice. Harmonie, non. Cynthia, non. Ok, Sandra, elle fait un rêve. Mais je suis choqué parce que mon Mi, vraiment, ne s'entend qu'avec quasiment personne. C'est abusé. Elle marche à l'envers, hein. Elle a fait un moonwalk. Ah. Griller le fantôme, là. D'accord, une petite marionnette. Oui, je confirme. Un pantin, ok. Écoutez, pourquoi pas. Voilà. Michael, encore. Et Michael, il veut tout le temps jouer, lui. Hein. Oui. Il veut tout le temps jouer, c'est abusé. Quiz pixel. Mais ça, c'est facile, parce que moi, c'est pas très pixelisé, en fait. Pain moisi, jus de pomme, salade, caprès, c'est du pain moisi. Ah, c'est horrible, ça. Du pain moisi. Oh. Mais dites pas que c'est un aliment qu'on peut acheter genre dans la boutique, dans l'épicerie. Du pain moisi. Deux coupons de pudding au raisin sec, bah évidemment. Oui. Michael, lui, il veut tout le temps jouer. Planquette de veau, loupe, chaussette puante. La réponse est... Bah j'ai pas l'odeur à travers l'écran moi, mais bon. Une chaussette puante. Une chaussette puante. Bravo. Ah je vous jure, ça me fait rire. Hein. Ok, un carillon, super. Mon gars, vu le nombre de fois où je joue avec toi, t'as intérêt à adorer ça. Hein. Il a seulement apprécié quoi. Enfin, il a trouvé ça correct. Bon. Eau du robinet maintenant. Est-ce qu'il va aimer? Personne. Je vous jure, personne n'aime l'eau du robinet. C'est abusé. Voilà. Ok, fontaine, il y a quoi? Ah, ok, Sam et Ashley. D'accord. Why not? Et puis, au parc. Ok, Ulrich. Ouais, qui vit sa meilleure vie, d'accord. Et parc d'attraction. D'accord. C'est bien de les regarder, les chevaux. Peut-être aller dessus aussi, non? Bon, je sais pas. Écoutez, on va... Ok, là il y a un souci, Matt il y a un souci. Vous savez quoi? On va aller voir tous les Mi. Bon, en tout cas tous ceux qui sont réveillés. On va tous aller les voir pour leur donner à manger et tout. Bonsoir. On va vraiment tous aller les voir. Ok. Comme ça, voilà.
Mélanzane. Ah, son plat préféré là? Ok. D'accord. Parce que ouais, d'habitude, bah, en fait, je vais voir que les mecs qui ont des soucis ou qui veulent jouer. Ok, on a trouvé ce qu'il aime le plus à Baptiste. C'est génial. Donc c'était quoi le jus de pomme du coup? Ça, c'est hilarant les animations, c'est hilarant, je vous jure. Il a adoré, bah oui. Ah ouais, waouh, j'ai tellement gagné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'ai déjà donné tous les objets. Ok, et bah écoutez, on va lui donner une chanson rap à Baptiste, voilà. Nice. Non, bah c'est bon. Ok. Et bah super. Donc elle dort, elle dort. Ok, Bernard BG qui s'occupe de son petit chien. C'est cool. Le mois d'août est arrivé. Oui. J'essaie toujours d'avoir l'air cool devant mes amis. Super. C'est génial. Bon. Je me demande avec qui Bernard BG se mettra en couple. Vraiment. Hein. Vraiment, je vous jure, j'ai hâte de... J'ai hâte de voir. Allez, ordi portable, vous savez quoi? Allez, let's go. Un petit jus de tomate. Let's go. Ah! On dirait qu'il a pas aimé. Ok. Donc dans la case n'aime pas. C'est vraiment une blague. Il a un souci d'amitié. Mais écoutez. Bonsoir. Bah rebonsoir, je t'ai vu il y a 10 secondes là. Je pense que Todette est une très bonne amie. Qu'en pensez-vous? Ouais. Ok. J'en étais sûr. Juste pour ça. Ça va les faire se rapprocher encore plus. Là, c'est tout, c'est bon. Ok. Ok, allez, Timothée. Ouais, là, on va aller voir un petit peu tous les mi, hein, comme je vous ai dit. Grâce à vous, Noé s'est arrêté. Ok. On va aller voir un peu tous les mi, on va tous leur donner à manger et tout. Voilà. Donc, ouais, aujourd'hui, on va pas en rajouter. On va juste faire ça. Et tous les mi qui ne dorment pas, hein, du coup. Voilà. Parce que justement, il y en a beaucoup qui dorment, donc. Donc, ouais. Vous savez quoi? On va lui donner un bon pour un chien. Je pense qu'il aimerait bien avoir un chien, un petit Timothée. Voilà. Ok, allez, jus de tomate encore. Jus de tomate, en vrai, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai jamais goûté. Mais ça a pas l'air très bon. Moi, en tout cas, ça me donnerait pas envie. Jus de pomme, c'est incroyable. What? Bon, il joue avec son. Avec son chien, donc c'est bon. Ah oui, mais un tel âge, je l'avais déjà vu. Ok, Mario. Bon, ça va être un petit peu long d'aller dans chaque appartement et tout, mais bon. Oui, vous voyez, regardez, amoureux, harmonie. Donc Mario et puis Harmonie, et eh ben ils sortent bien ensemble. Voilà. Donc en fait, ça nous fait notre notre quatrième couple. Voilà. Bon, c'est Mario et Harmonie. Bon, pourquoi pas. Hein. Luigi, j'ai déjà vu. Wario, je l'ai pas vu encore. Faudra que je lui donne un intérieur d'appartement, lui d'ailleurs. Bonsoir. Ce serait peut-être temps, hein. Non, mais sérieux. Ah, bon, il a pas aimé. Ok. Allez, un jus d'orange. Pour passer ça. Let's go. Correct, d'accord. C'est nice. Ok, Waluigi maintenant. D'accord. Quand les mis, ils sont comme ça, qu'il y a, il y a la musique comme ça, et puis qu'ils sont contents. Ils sont contents et ils dansent, ça veut dire quoi? Enfin, je veux dire, ils sont contents, pourquoi en fait? C'est quoi le. C'est quoi le. La raison?
La raison qui fait qu'ils sont contents comme ça. Ok. Parce que... Enfin, en fait, ils me disent rien. Regarde, attends, là, là, si je lui parle. Il n'y a pas de demi-mesure. J'aime ou je déteste. D'accord. D'un côté, c'est bien de penser comme ça. Regardez, elle aussi, là, il y aura la musique, elle va danser, là. Parce qu'il y a les petites notes. Il y a les petites notes de musique, en fait, pour ça. Voilà. Donc, ouais. Super. Et comme ça, en plus, je vais récupérer un max d'oseille. Un max d'argent, là, ça va être génial. Aelita, allez. Je suis pas allé la voir, hein. Non. Bonsoir, sosie de Thibobo. Bonsoir. Voilà. Ah, ok, elle a pas aimé. C'est pas grave. Fruit de mer. Non, elle peut pas. Ah si, ah. Bon, ok. D'accord. Et elle a pas aimé non plus. Ok, super. Yumi, ok. Ouais, puis au-dessus, il y a un souci. Je sais pas si on a un deuxième, d'ailleurs. Bonsoir. Ah ouais, je sais plus. Mais bon. Dans tous les cas, on ira voir après pour le souci. Ok, super. C'est nice. Oh. Je gagne tellement d'argent. Je lui ai déjà donné un intérieur. Je crois pas. Vous savez quoi? Asie moderne. Bon. Parce que, en fait, elle, dans la série, dans Code Lyoko, elle est japonaise. C'est pour ça que je lui donne ça. Comme ça, en fait, ça ressemble un peu à vraiment sa maison dans Code Lyoko. Ça ressemble un petit peu, donc écoutez. Ouais, donc à faire, on lui donne ça. Et puis après, on terminera eh ben, par la brocante. Voilà, tout ce qu'on pourra vendre à la brocante, et bon, on les amènera. Ok. Ah, Ulrich, attendez, il fait un rêve. On va aller voir. Les rêves, en vrai, c'est important. Comme ça, je peux gagner des trésors. Mais y a rien. L'animation, quand il se fait pousser en arrière, là, on dirait vraiment les animations de Code Lyoko, par contre. Hein. Quand ils se font tirer dessus, ou quand ils se font toucher et qu'ils sont propulsés en arrière. Ça doit être la fatigue, sans doute. Oui, sûrement. Mais du coup, il me donne un médicament rhume. Bon, d'accord. S'ils veulent. Pauline, du coup, elle a un souci. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous me donner quelque chose à dire quand je suis contente? Ouais. Allez, vous savez quoi? On va mettre ça. Ça va être drôle. Oui. C'est trop bien. Oui. Bon, moi, j'arrive pas à le faire, mais... Bon, vous avez saisi le truc. Oh, c'est drôle. J'aime bien. Ok, correct. Nice. Donnez-moi de l'argent. Pendant que vous êtes là. Non. Pas le temps. Non, par contre, vraiment, ça va, j'ai pas trop le temps parce qu'il faut que j'aille voir tout le monde. Tous ceux qui dorment pas, là. Donc, ouais. Voilà. Et en plus, ceux qui level up, eh ben, ils level up. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux lui donner aussi? Raquette de tennis aussi. Elle a été jaune dans un Mario Tennis, hein. Bah, dans le dernier sur Switch, hein, je crois. Mario Tennis Aces, il me semble qu'elle est jouable, donc voilà. Allez, on va aller voir Chris. Mais ouais, là, on va pas jouer avec Lemmy. Bien le bonsoir. Là, on va pas jouer avec eux. Voilà, non. C'est bon. Nice. Ok. Let's go. Chris. Ok, je vais commencer par un objet. On va lui donner un téléphone portable. Parce que c'est un geek. Même dans Until Dawn, hein, c'est un geek, hein, il a un téléphone et tout. Le premier truc qui dit, c'est ouais, pourquoi j'ai pas de réseau, machin. Je capte pas le réseau. Vraiment en plus. Hein. Ashley, ok. Ta ta ta. Mais il y en a beaucoup qui dorment. Mais c'est pour ça, du coup, vu que là, il n'y a pas énormément de soucis, eh ben... Bonsoir.
Eh ben, on va voir là tous les mieux qui ne dorment pas. Je l'ai dit au moins 3 fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, super. Ok, oh. 36 euros. C'est bien. Vous savez quoi, on va lui donner un livre. Parce que c'est un petit peu genre la fille qui lit. C'est un petit peu ça, donc voilà. Ok, elle a pas aimé, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Le rôti de bœuf là, il m'a quand même bien rentabilisé. Hein. 36 euros, ça a fait plaisir. Bonsoir. Alors là, elle a pas très faim par contre. Cheesecake, ça passe? Ouais, ok. Nice. C'est la première fois que je donne un petit dessert comme ça. Mais ok, ouais, elle a pas très faim donc. Un petit truc, et ben ça passe. Josh. Ah non, Josh, je suis déjà allé le voir. Ouais, oui, je l'avais déjà vu. Ouais, ouais, ouais. Bah écoutez, on arrive au dernier. 11. Donc les persos Stranger Things. Ah. Elle a pas très faim non plus, elle, donc. Donc ok. Courgette, ça passe. Ah oui, oui, ok, 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 ça va. Tout pile. Oh. Comment ça? Comment ça, t'aimes les courgettes? Ça va pas, hein? Je dis, retourne à l'hôpital, 11, hein. Pour ceux qui connaissent Stranger Things, vous aurez capté pourquoi je dis ça. Mais bon. Ta 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 ta. Bonjour, je suis Mimi. Je fais les choses à mon rythme. Très bien. Hop là. Spaghetti bolo, t'as intérêt à aimer, mon gars. C'est pas possible. Comment tu fais pour pas aimer les spaghettis bolognaises? Non mais sérieux. Que ça soit pas ton plat préféré, ok, mais vraiment ne pas aimer du tout. Et si on jouait un peu pendant que vous êtes là? Bon voilà quoi. Je suis désolé, j'ai mal aux yeux. Mais je commence à être fatigué. Là je tourne ça et je vais dormir, hein, très clairement. Parce qu'il est un peu 23h30. Je m'appelle Lucas. J'aime que mes projets se concrétisent. D'accord, c'est bien. Hop là. Allez Lucas, fais-moi plaisir. T'as un énorme glow up dans Stranger Things. Mais t'as rien du tout en fait. C'est abusé, je vous jure. Bon. C'est pas grave. Et puis on va aller voir le tout dernier. Qui est Michael. Bah non, mais on l'a déjà vu. Bah ouais. Ouais, ouais, on l'a déjà vu. Y a pas d'autres soucis. Non. Ok. Ok, brocante du coup. On va tout vendre. Donc baguette de sourcil, 1,50€. Ok, 9,80€. Carillon, 10€. Cheval à bascule, 80€. Nice. Pantin, 50€. Oui. Un peigne, 2€. Porte-clés squelette, 4,80€. Vase précieux, 400€. Oh, il a fait plaisir hein. Mais écoutez voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Voilà, aujourd'hui c'était vraiment très tranquille. Et puis bah, y a beaucoup de mis qui dorment. Voilà, je pense qu'il y a la moitié de l'immeuble qui dort. Donc voilà, là j'ai profité pour aller voir un petit peu tous les mis, leur donner à manger et tout. Donc ouais voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, on continuera la prochaine fois. On continuera aussi à rajouter des mis hein, du coup. Et puis écoutez voilà, c'est ça qui est ça. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager, ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos, c'est très important. Et donc voilà, donc sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.